Et salut les amis, c'est Harmonium, on se retrouve sur Monster Hunter World Iceborne. On va faire des petites quêtes événements qui font plaisir. On va faire ce matin un lapin a tué un chasseur. On va aller affronter un Yangaruga en arène. Alors je me rappelle l'avoir fait il y a quelques temps déjà, et puis je crois que c'est un petit Yangaruga, je suis plus sûr. On va aller vérifier. On va prendre résistance élémentaire de type G, car armure fataliste dit faible résistance au feu. Et là, on est déjà à 30, hein, c'est vraiment pas mal du tout. J'y vais à la Volto H, donc je crois que c'est la première fois que je fais un Yangaruga à la Volto. Écoutez, on va voir ce que ça va donner, ça devrait être sympa. Allez, hop, c'est parti. Les vidéos sur Monster Hunter Stories 2 vont continuer aussi, hein, vous inquiétez pas, on va essayer de faire un petit peu des deux. Après, c'est vrai que Monster Hunter Stories 2, c'est pas du tout pareil que Monster Hunter World Iceborne. On n'est pas du tout sur le même registre, hein, donc c'est sûr qu'il y a un peu moins d'action, je dirais. Moi, c'est vrai que je suis plus habitué à chasser comme là sur Monster Hunter World Iceborne, quoi. C'est vrai que je lance une quête et c'est parti. Mais les deux aventures sont quand même plutôt intéressantes. On ira donc tranquillement jusqu'au bout, mais on va prendre notre temps. Alors, le Yangaruga, je crois qu'il est tout petit. On va vérifier, hein. Je suis plus sûr de moi. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Ah, ça va être sympa, hein. Je pense qu'on va peut-être pas trop se la jouer en mode ultra attaque. On va voir. Allez, hop, c'est parti. Allez, la musique se lance. On y est. Ah merde, je suis à la morpho, non à la volto. Ok, bon écoutez, changement de programme. Je me suis trompé d'arme. Écoutez, on va leur lancer après avec la petite volto. Ah, j'ai pas fait gaffe, j'ai cru vraiment que j'avais la volto H. Hein. C'est pas grave, on va le faire deux fois tranquillou. Voilà. Et là, je suis content, hein. Il y a plein de jeux qui arrivent en septembre. Deathloop qui a l'air d'être vachement intéressant. C'est fait par les mecs qui font Dishonored. Donc ça a l'air d'être vachement bien. On a Tale of Arise aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah il y a New World aussi bien sûr, New World, donc sur PC cette fois-ci. Voilà, la hache est chargée. On repasse en mode épée. Un poil à morphouage, c'est vrai que c'est une arme que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il me touche ou pas? Ah ouais, il me touche quand même. Le petit séisme. Ah cool, le petit hurlement qui m'a touché, mais vu que je suis tombé, ça m'a skip un peu l'animation. Alors là, je tronçonne la queue, là. Oh, je lui monte dessus. Ok, je vais sur la queue. Est-ce qu'on va réussir à lui couper, à votre avis? Je ne sais pas, mais on va essayer. Alors, cette quête-là de souvenirs, elle donne les oreilles de lapin, hein, qui sont plutôt sympas. Séisme. Oh, le combo, le petit coup de queue en plus.
Oh, plus de queue, ça y est, c'est parti. Alors là, mon pote, tu la ramènes moins, là. Attention. Ça, j'aime bien les événements comme ça, franchement, avec un petit monstre et tout, ça fait trop kiffer. Ça. Oh, il dort! C'est vrai que le palico est fantastique, ça, je l'avais oublié tellement que... Alors, on va faire ça. On va charcuter. Alors, je sais pas si ça donne des composants de Yanyaruga, si. Si, si. Ok, bon, alors attention. Méga bombe baril. Capsule perforante, ça m'intéresse pas. On va faire un Hadoken, je pense. Hein? Allez, on va essayer de bien viser, attention. Hein. Je suis pas très doué là-dessus. Hein. Ah, si, parfait. Le bon vieux Hadoken a toujours une valeur sûre. On esquive. Oh, je suis plus en tranchant violet là. Hein. Ah, j'allais dire, je vais prendre mon chien pour aiguiser, mais c'est vrai que j'ai pas de chien sur. Mais bon, on aiguise en une seconde comme ça. Ah, j'aurais bien aimé avoir un Monster Hunter Rise sur PS5 Next Gen et tout quand même. Hein. On va voir sur PC, je le reprendrai sur PC avec plaisir. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été pas mal. Le multi-support là. Attendez, on va lui balancer les capsules perforantes. Voilà, tiens, encore d'autres. Il y a beaucoup de vie quand même. Hein. Ouh, il va faire sa grosse attaque de boule de feu là, je crois. Non? Ah non. Je confonds que le Yanyaruga balafré, je crois. Parce que le Yanyaruga balafré, là, l'alpha, là, il est. Il balance une salve de boules d'énergie. Il est très stylé, quoi. Ok, bon, bah, c'est réglé. Allez, on charcute. Et on y retourne après avec la petite Volto. Là, on l'a tué, je sais pas, 7 minutes à peu près. Monster Hunter World Iceborne a toujours une valeur sûre. Hein. C'est un jeu, vraiment, tu t'éclates toujours autant. Hein. Je veux dire, tu lances une petite quête. En plus, maintenant, sur la PS5, je vous cache pas que c'est fantastique de plus avoir de temps de chargement. Principalement, donc il y en a encore un petit peu, mais c'est tellement faible que... Là, vous avez vu, on a lancé la quête, c'était instantané, là, par contre, pour ça. Pour le fief, faut attendre à peu près 10 secondes, même pas. C'est, ça fait vraiment plaisir, ça donne un renouveau au jeu, puis moi, j'avais la PS4 Pro qui soufflait beaucoup avant, donc... C'est vrai que la PS5, là, j'en suis vraiment très content, en tout cas. J'espère qu'on aura Monster Hunter exprès PS5, par contre. Et là, ce sera vraiment super. Bon, on y retourne à la Volto, parce qu'à la base, je voulais y aller à la Volto. Je me suis trompé. Oh, le screen de fin est pas mal, hein. 7 minutes. Voilà, c'est ce que j'avais dit. À peu près, on avait dit 7 minutes tranquillou. Ticket lièvre des prairies. Voilà, lièvre des prairies. Les petits joyaux, tout ça. Joyaux fléau maître. Allez, on va changer d'arme. On y retourne, alors. Donc, la Kultarov est présente, au fait. Hein. Équipement, alors, je me suis gouré. J'ai pris... Ah oui, voilà, j'ai pris le 7-4 au lieu du 7-5. On va pas prendre l'armure spéciale. On est pas mal comme ça. On reste ainsi. Hop. On va reprendre l'essence élémentaire de type G. Hop.
Et là, on y retourne. Alors là, on va voir ce que ça va donner, vu que le monstre est quand même plutôt petit. On va quand même reprendre le kit d'inventaire. Surtout pour les bombes. Hop. D'accord, on va voir le temps qu'il faut pour lancer la quête. Alors. Événements. Il y a plein d'événements. On va voir qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine quête dans la prochaine vidéo. Là, j'ai bien envie de faire les quêtes, justement, comme je dis, événements. Tout est de retour, je crois. Donc ça fait plaisir. Il y a même des monstres alpha suprêmes. Donc si vous les avez pas fait, n'hésitez pas à les faire. Hein. Ah, ce matin, un lapin a tué un chasseur. Voilà, c'est ça. Hop. Quête acceptée. Ouais, les monstres alpha suprêmes, ça a toujours été quand même plutôt un bon défi. À chaque fois, souvent, en plus, il y avait des trucs qui changeaient dans le combat, en fait. Hein. Alors, rappelez-vous, le Velkana suprême, tu lui montes dessus, t'es désintégré. Il vous faisait des dégâts. Il faisait des dégâts comme ça, quoi. Juste avec sa présence, quoi. Bon, on va quand même prendre l'immunisateur. Faut qu'on charge l'épée. On va voir si on se la joue hache, on tronçonne ou alors ultra attaque en fonction de si on a la. Si on a la hitbox en fait. Hein, c'est... Alors attendez. Je crois que j'avais chargé le truc. Il semblerait que non. Ok, là on y est. Attention! Ah, à peine, hein. Parce que là, petit défi justement, hein. Petite Volto avec un monstre qui est pas bien grand, c'est pas pareil. Oh, alors là, c'est beau, là. On y croit. Oh oui, là, je l'ai eu, là. Je vais essayer de recharger l'épée. J'ai réussi. Est-ce que je vais réussir à l'étourdir? Oh là là, par contre, mes fioles sont toujours là. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il m'avait cancel totalement le truc et puis en plus j'ai plus de fiole. Attendez là, j'attends une ouverture. On y croit. Oh bien là. Oh super. Je prends le... Je m'éloigne. Ok, la cape est morte. On la vire. Est-ce qu'on passe en mode H ou pas? Oh, bien, bien, bien.
Non, on s'en sort pas mal, hein. Je suis plutôt content. On va charger l'épée. Voilà, là on est bien. Attention, je vais essayer de faire l'ultra-attaque. Ah non, loupé. Au moins j'ai touché les tonneaux quoi. Oh attends, le petit chat qui me soigne, fantastique ça. Merci petit chat. Ah dommage. On va peut-être repasser en mode H peut-être. Oh, je suis devant là. Oh. Allez, on le tronçonne, hein. Oh, mais il est étourdi en plus, non? Ah non, peut-être pas. Oh, là il est étourdi là. Bah écoutez, ça se passe mieux que je pensais. Voilà, on esquive. Si je repasse en mode épée, il faudra soit qu'on aiguise en violet, soit qu'on charge l'épée pour pouvoir rebondir. Hein. Ouh, c'est pas bon ça. Bon, c'est quoi qu'il a lâché, la capsule perforante? Voilà, ça le cancelle un peu. Ah, la transcendance régène, c'est quand même vraiment extrêmement fort. Hein. On y croit. Non, il est trop près de moi là. Attention. On va la toucher un petit peu, mais pas suffisant. On va repasser en cap titan. Et on va charger, on va passer en mode H aussi. Hein. Oh, il est mort.
On va ranger l'arme. Combien de temps on a mis? Alors là, je ne sais pas. Est-ce qu'on a mis plus longtemps qu'avec la morpho? Je pense que oui, quand même. Prochaine quête, on va prendre un marteau. On va y aller au marteau. Oh, attention! J'aime Oiseau Mystique. Oui, ça c'est le truc que j'aime bien dans Monster Hunter World Iceborne, justement. Quand on découvre un objet rare, il y a une animation qui fait « Oh !» Vous voyez, il y a un truc qui se passe, quoi. Ça, sur Rise, c'était enlevé totalement. Et ça, je trouve ça dommage. Je vous laisse en commentaire réagir. Ça, je trouve ça dommage d'enlever comme la petite animation de rareté, car ça faisait vraiment plaisir, vous voyez. T'avais tout de suite un petit peu le... Tu savais qu'il y avait un truc qui arrivait, quoi. Genre, tu tues un Brachydios Tempête, tout d'un coup, tu vois l'animation, tu dis, ça y est, j'ai enfin un réacteur, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en récompense? Ah, pas mal, le screen de fin, on a mis 8 minutes 57, ouais, on a mis presque 2 minutes de plus. Une petite gemme encore, hein, fait plaisir. On est passé rang maître 340. Prochaine quête, on va voir qu'est-ce qu'on va affronter, je ne sais pas. Il y a plein de quêtes événements, donc je vais en trouver une plutôt sympa, je pense. Il y a tellement de trucs à faire que ça devrait être cool. Et puis je reprendrai les vidéos Monster Hunter Stories aussi 2 à côté, bien sûr. On continuera l'aventure, j'en suis où on découvre un village, donc on verra ce que ça va donner. Écoutez les amis, je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos de Monster Hunter World Iceborne, en espérant qu'il y ait d'autres, qu'il y ait un autre Monster Hunter Next Gen qui arrivera prochainement, en tout cas peut-être en 2022, ça pourrait être intéressant. Et puis en tout cas, on va continuer nos petites chasses, donc là, événement. Et puis sinon, on fera nos chasses aussi, où on va dans le fief sans aucun objet ni rien. Et il faut se démerder avec rien. Ça, c'est quand même toujours sympa à faire. Et puis, il y a plein de jeux qui arrivent en septembre, donc je serai sur plein de jeux à la fois, en fonction de mon emploi du temps. Je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée, les amis. Ciao, ciao!